Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne si vous me connaissez, bienvenue si vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je fais chaque année depuis que j'ai ma chaîne tout simplement. C'est une vidéo What I Got For Christmas, bien les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Donc je vais vous montrer tout ça, j'en ai vraiment beaucoup, j'ai été très très gâtée. Et honnêtement je m'attendais pas du tout à recevoir la moitié de ce que j'ai reçu. Donc je m'attendais à rien en fait, parce que j'avais rien demandé en particulier ce Noël à part à mon chéri. Et je vais vous montrer du coup ce qu'il m'a offert. Et après j'avais fait une wishlist sur YouTube il y a quelques semaines de cela, et en fait je me suis rendu compte que mes proches regardent apparemment assidûment mes vidéos wishlist, puisque j'ai souvent des choses que je demande lors de ce genre de vidéo quand je fais ma sélection. Donc voilà, ils sont assez attentifs et je suis très contente, donc merci, merci à eux. Je voulais juste vous montrer mon pull parce qu'on ne voit pas du tout à la caméra, c'est un peu dommage. C'est un pull de Noël Olaf que j'avais acheté en 2014 quand j'étais étudiante Erasmus en Angleterre. Donc voilà, je l'aime bien et je le mets pour la vidéo, puisque je peux pas vraiment le porter à d'autres moments de l'année à part à Noël. Donc voilà. Comme vous le savez, je vais pas vous répéter le topo à chaque fois, je pense que vous l'entendez suffisamment sur d'autres chaînes, mais ça paraît quand même assez important. Évidemment Noël c'est pas uniquement de recevoir et d'offrir des cadeaux, mais c'est surtout le temps que vous passez en famille. Et moi cette année j'ai eu la chance de voir de la famille que je vois très peu souvent, donc même très très rarement, qui habite en Normandie. Donc j'ai pu m'y rendre pour Noël et voir mes grands-parents, mes oncles, mes tantes et mes cousines. Donc j'étais juste ravie de pouvoir passer ces moments avec eux, et c'était juste magique en fait de pouvoir passer juste des moments de bienveillance, de bonne nourriture auprès du feu, près du sapin qui était hyper lumineux et tout. Tout ce que j'aime, donc bref, voilà. J'ai eu des cadeaux de la part de toute ma famille, de la famille aussi de mon chéri. Et du coup, il y a pas mal de choses, donc on va y aller tout de suite. Et j'ai même eu un cadeau de mon patron. Donc la première chose que j'ai eue, ça se présente là-dedans. Et comme je vous le disais, c'est un cadeau d'entreprise. J'ai la chance de travailler dans une petite entreprise et d'avoir du coup un patron en or. Du coup, j'ai reçu une carte cadeau dans une enveloppe craft comme ceci pour réaliser un soin du visage de 45 minutes et un rituel bien-être d'une heure. Donc c'est valable un an et du coup je vais pouvoir prendre soin de moi. J'ai jamais fait de soin du visage, ni de soin d'ailleurs, ni de massage, ni rien du tout. Donc c'est la première fois que ça va m'arriver et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais commencer par le plus fragile. J'ai été juste trop trop heureuse de recevoir ce petit objet. Donc il s'agit d'un casse-noisette. Il est rose, doré et argenté, pile poil ce que j'aime, pile poil dans ma déco. Je sais pas si ce sera visible, mais je pense que si, comme vous le voyez. Je vais bientôt enlever le sapin de Noël en revanche, mais je vais quand même garder ma déco rose et doré et argenté comme d'habitude. Et j'avais déjà un casse-noisette qui date en rouge, seulement il va pas vraiment bien avec le reste de ma déco, et celui-ci sera parfait. Il est magnifique, je l'adore vraiment, c'est vraiment un de mes objets préférés au monde, les casse-noisettes. Et du coup je suis trop trop contente, c'est vraiment une attention qui me touche beaucoup, parce que c'est bien me connaître que d'avoir choisi ça. J'ai baissé un peu la luminosité parce que j'avais l'impression d'être très très blanche, mais bon voilà. Je vais pas vous dire à chaque fois qui m'a offert quoi, tout simplement parce que ça prendrait du temps et que comme vous connaissez pas mes proches, ça va rien vous changer. Donc j'ai reçu une boîte en fer trop trop mignonne sur laquelle il y a écrit « Tu me fais craquer » avec un petit bonhomme en pain d'épices, donc juste parfait pour la saison. Et puis moi je fais beaucoup de biscuits, de cookies, de choses comme ça, et même des petits bonhommes en pain d'épices. Du coup je vais pouvoir les conserver plus longtemps dans cette petite boîte en fer juste adorable. Ensuite j'ai reçu du linge de bain, donc une grande serviette de la marque Karl Lagerfeld Maison. Donc je suis juste trop contente, elle est blanche toute simple, un drap de douche voilà, et elle fait 70 par 140 cm, donc c'est quand même raisonnablement grand et c'est super, je suis trop contente, elle est trop jolie, et ça on a toujours besoin, ce genre de choses qu'on s'achète pas soi-même. Ensuite j'ai reçu un rouge à lèvres MAC, il est trop trop beau et c'est la teinte D for Danger. Donc je vais vous montrer, je vous ferai un close-up, mais voilà, c'est un rouge à lèvres MAC, ce qu'il y a de plus basique, et la couleur elle est trop trop belle. C'est un rouge profond bordeaux magnifique, j'adore, j'ai hâte de le porter. Ensuite j'ai reçu un petit porte-clés avec écrit Justine, donc qui est mon prénom, je sais pas si vous le verrez, mais voilà, tout simplement avec de la broderie violette sur du blanc gris, du coup ça va rejoindre mon trousseau de clés. Ensuite avec mon chéri on a été gâtés, on a reçu plein de chocolat, donc je vous les montre comme ça. On a reçu des rochers pralinés chocolat au lait. Je pense que c'est quand même moi qui vais plus en manger que lui, parce que je suis beaucoup plus gourmande, même s'il aime. Et on a reçu aussi un set Lutti, donc chocolatier français, avec plein plein de chocolat. J'ai déjà un peu entamé la boîte comme vous le verrez, mais pas. Toujours un cadeau de couple, on a reçu des ramequins trop trop choux qui sont rouges et blancs, et ça va parfaitement avec la cuisine. Les meubles sont gris, on a des petites touches de déco rouge.
coup ce sera juste parfait et c'est petit apéro des amis, c'est trop trop mignon. Et on a reçu en fait plein de conserves, essentiellement de poisson. Ouais, je crois que c'est que du poisson. Donc on va goûter tout ça, on va se régaler et on est très très gourmands nous deux, donc on est vraiment très contents de pouvoir tester plein de choses. Il y a des, pour vous donner un petit exemple, émietté de maquereau à la façon d'escarte figue, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Rillettes de lieu au baies de Sichuan, ça je pense que j'aimerais bien. Émietté de maquereau aux herbes et citron de menton, ça serait trop trop bon. Par contre, crème de sardine au whisky, ça je laisserai à mon chéri parce que j'aime pas l'alcool. Mais voilà. Ensuite, j'ai reçu un coffret Harry Potter. Donc si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis une grande fan d'Harry Potter depuis le lancement de la saga en film en 2001. Et voilà, j'ai jamais cessé d'être fan depuis et j'ai reçu ce superbe coffret. Je vais vous enlever le petit carton, mais ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. La boîte se présente comme ceci, c'est vraiment une boîte collector, elle est magnifique, franchement j'adore. J'ai déjà ouvert donc c'est un peu plus le fouillis qu'avant, mais à l'intérieur ça se présente comme ceci. Donc j'ai 4 objets et je suis juste ravie, vous n'imaginez même pas à quel point. J'ai reçu une écharpe Gryffondor, je peux déjà vous dire que je vais beaucoup la porter, je l'aime trop. Ça fait des années que j'en veux une et je me suis jamais décidée en fait à en acheter une tout simplement. Donc là j'en ai une, je suis trop contente, il y a le blason de Poudlard qui est incrusté dessus, ça fait un patch, c'est juste canon. On peut choisir la taille si ça vous intéresse et que vous avez envie de vous acheter cette box ou de l'offrir à un de vos proches. La taille que mes proches m'ont choisie c'est du M et ils ont bien fait puisque c'est ma taille. Ça peut vous permettre de choisir la bonne taille puisqu'à l'intérieur il y a un vêtement, il s'agit d'un t-shirt. Donc moi j'ai eu un t-shirt Serpentard, je sais pas si toutes les box sont identiques mais je pense que celle-ci oui, c'est une édition limitée. Et donc le t-shirt Serpentard que j'ai reçu se présente comme ceci, en plus j'adore la couleur vert sapin, c'est vraiment tout à fait ce que je peux porter avec des boots, un pantalon, un jean noir. Peu importe, mais ce serait vraiment trop mignon. Et du coup c'est le blason de Serpentard un peu revisité, il est canon, je l'adore, j'ai trop hâte de le porter. Dans la boîte il y a un mug également avec écrit Polynectar sur le tour, il est vraiment trop chouette et moi je bois dans des mugs juste tous les jours au petit déj. Et enfin le dernier objet de cette box c'est un pop, et c'est un pop Harry Potter avec la carte du maraudeur et sa baguette magique. Je suis trop contente, j'aime beaucoup les pop et je m'en achète pas vraiment parce que voilà, c'est quand même assez onéreux pour une petite figurine de ce genre, mais je suis très contente et il va rejoindre ma petite collection, enfin la petite collection qu'on a avec mon chéri parce qu'on commence à en avoir quelques-uns déjà. Voilà pour ma box Harry Potter. J'ai eu vraiment énormément de choses, c'est juste indécent, mais il y a beaucoup de monde dans ma famille visiblement. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous aurez peut-être vu dans ma wishlist de Noël et Black Friday que j'avais mentionné cette chose là et je l'ai eu, je suis juste trop contente. Je m'en suis achetée entre temps mais c'est pas le même, donc je suis juste contente parce que je vais pouvoir en fait changer un peu tous les jours de chapeau. Donc il s'agit d'un bob en fausse fourrure noire, j'espère que vous verrez correctement, mais il est trop chou. Celui-ci vient de chez Asos et il est d'une douceur extrême, vous n'imaginez même pas. Et sur ma tête, ça donne ça. Je l'adore, il est trop joli. Je crois que vraiment je vais le porter tous les jours. Ça va être mon chapeau préféré de l'hiver. Je le sais. Toujours issu de ma vidéo wishlist, puisque comme je vous le disais au début, visiblement mes proches regardent mes vidéos. J'ai reçu une paire de chaussures de chez Pretty Little Thing. Et il s'agit d'une paire de chaussures bottines, comme vous le voyez, style chaussettes noires. Elles sont splendides. On a eu un petit peu peur au début, puisque la personne qui me les a offertes a choisi une taille 38. Et comme je vous le dis souvent, si vous me regardez, je fais du 38 à plat et du 39 en talon. Mais je me rends compte qu'en fait je m'habitue de plus en plus à porter mes chaussures un peu trop grandes et à acheter du 39 trop souvent, alors que ma vraie pointure c'est plutôt du 38. Celle-ci c'est du 38 et elles me vont très bien, donc c'est juste parfait, elles sont trop belles et je les adore et j'ai trop hâte de les porter. Lors de la réception des chaussures à l'intérieur, il y avait aussi une petite charlotte, vous savez, pour ne pas se mouiller les cheveux, de la marque Pretty Little Thing, donc c'est toujours sympa, ça me fait un petit cadeau supplémentaire. Ça prouve bien à quel point mes proches me connaissent et voilà, je suis très contente qu'ils me connaissent au final, parce que je reçois jamais de cadeau qui ne me convient pas et je suis assez facile à satisfaire, on va dire, dans ce rayon là. Donc j'ai reçu une peluche licorne, elle est vraiment trop mignonne et elle émet du son, donc il suffit d'appuyer sur cette petite étoile ici. Voilà, j'ai 27 ans et c'est ce que je reçois en cadeau de Noël et ça ne pourrait pas me rendre plus heureuse en fait, je suis très contente, elle est trop mignonne et je l'aime déjà trop.
Ensuite, j'ai reçu pas mal de petites choses dans ce petit sac juste adorable que je garde et que je vais conserver parce qu'il est sublime. Donc on m'a offert plein de goodies de chez Yves Rocher et le premier, il s'agit d'un miroir grossissant, le miroir normal d'un côté et le miroir grossissant de l'autre. Donc c'est toujours très très pratique et en plus il est minuscule, donc facilement transportable pour les vacances ou ce genre de choses, donc hyper hyper pratique. Ensuite j'ai reçu un petit kit de manucure, donc avec tout le nécessaire, les petits ustensiles voilà pour repousser les cuticules, un coupe-ongles, une paire de ciseaux et tout, dans une petite pochette dorée. Donc c'est juste trop trop chou et encore une fois hyper pratique à emporter partout. Ensuite j'ai reçu une bougie d'une senteur que j'adore et j'ai même offert cette gamme là à ma maman pour Noël parce que je trouvais l'odeur juste géniale. C'est au cœur des sapins et ça sent super frais et ça sent vraiment l'hiver en fait, tout simplement, j'adore. Elle se présente comme ceci. Et c'est tellement dommage que vous puissiez pas sentir à travers la caméra, mais ça sent vraiment très très bon. Et voilà, c'est juste des odeurs qui sentent le propre et tout, et j'adore. J'ai reçu un gant exfoliant donc pour la douche, juste hyper hyper pratique et je n'en avais pas. J'ai reçu également cette petite chose, je n'arrive pas du tout à retrouver le nom, mais ça fait office de gant de toilette en fait. Vous avez une partie douce et une partie exfoliante aussi à l'arrière. C'est trop mignon avec le petit flocon doré, en plus c'est tout à fait dans mes couleurs et dans ce que j'aime. En plus de ça, j'ai aussi reçu la pochette qui allait avec, donc elle est une espèce de lin je dirais. Donc c'est la pochette qui va avec la gamme au cœur des sapins, elle est trop chou avec des petites branches de sapin, des flocons et tout, c'est très très hivernal et moi j'adore. Un petit bouton pression et ensuite la fermeture éclair, donc ça fait une petite trousse de toilette en fait, tout simplement, c'est super chou. Ensuite j'ai reçu le tome 2 de la passe miroir puisque j'ai presque fini le 1 que j'ai reçu l'année dernière. Vous allez dire j'ai mis un an à lire le livre, mais oui, parce que je prends jamais le temps en fait pour moi de prendre le temps de m'arrêter 2 minutes et de lire. Et quand et pourtant j'adore ça, et quand j'essaie de lire le soir avant de m'endormir, au bout de 2 pages je m'endors, donc autant vous dire que j'avance pas beaucoup. Mais je suis juste très très contente de l'avoir, je l'avais réclamé parce que je voulais quand même connaître la suite. Donc je l'ai en format poche puisque tant qu'à faire autant les avoir tous dans le même format, donc voilà. Ensuite ma maman est abonnée à une box beauté et comme elle a les cheveux courts à la garçonne, elle pouvait pas mettre de barrettes ou ce genre de choses. Donc à chaque fois elle me les offre et là elle a reçu une pince en fait, une barrette à mettre dans vos cheveux. Donc dorée comme ça, elle est trop trop mignonne et je la mettrai dans mes cheveux, voilà tout simplement. Donc c'est une petite attention aussi que j'apprécie. Ensuite avec le livre, c'est le deuxième cadeau que j'avais demandé, c'est vraiment quelque chose que je voulais, donc de la part de mon chéri. Je lui avais demandé en fait tout simplement de m'acheter un kit de démarrage pour débuter et essayer l'aquarelle. Donc j'ai évidemment le bloc avec des feuilles spéciales aquarelle. Ensuite j'ai un set de pinceaux, donc spécial aquarelle toujours pour débuter. Et enfin l'aquarelle en elle-même. Donc j'ai choisi sur le site de Cultura, parce que voilà, j'ai essayé de me renseigner comme je pouvais sur des blogs et tout, des sites spécialisés en aquarelle. Et j'ai choisi l'Aquafine. Donc c'est un set pocket, il y a 12 couleurs et j'essaierai de faire des petites choses pour m'entraîner et en espérant que je vais réussir à dompter l'aquarelle parce qu'apparemment c'est pas évident, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, je l'ai pas avec moi mais j'ai reçu aussi un énorme paquet de noix, en tout genre, donc à grignoter, et j'ai trop trop hâte de les commencer puisque j'adore les noix. Et j'en ai reçu un énorme paquet, c'est juste voilà, je pense que j'en ai pour l'année, mais je suis trop trop contente. La dernière chose que j'ai reçue, je vais juste vous raconter rapidement pourquoi j'ai reçu ça, parce que sinon ça va vous paraître bizarre. Mais en gros, mes beaux-parents, donc les parents de mon amoureux, m'ont offert il y a quelques mois une housse de volant pour ma voiture qui est rose avec des petits strass. C'est juste hyper extra. Mais moi j'adore, sachant que j'ai une petite voiture, une première voiture qui est complètement atroce en fait de l'extérieur au niveau de la carrosserie, elle est complètement morte, mais je l'ai achetée comme ça. Moi personnellement j'ai pas eu d'accident avec et on va toucher du bois hein. Mais voilà, du coup je voulais la personnaliser de l'intérieur puisque l'extérieur ça ressemble à rien. Donc il m'avait offert la housse de volant et il m'avait offert aussi des housses de siège rose. Et il m'avait offert ça parce qu'on en avait discuté, je leur avais dit que c'était un peu fun si je me trouvais des tapis roses, des choses comme ça pour customiser ma voiture de l'intérieur, puisque voilà c'était un peu une lubie mais j'avais vraiment envie de le faire. Et ils étaient venus 2 jours après avec
les housses de volant et de siège pour me faire plaisir tout simplement, sans raison, juste ils sont adorables. Et du coup là pour Noël, et c'est un clin d'œil mais c'est juste trop trop mignon, ils m'ont offert aussi des tapis avec des bordures roses, donc je vais essayer de vous montrer ça correctement, avec des petites fleurs tropicales comme ça, roses et blanches, et c'est juste trop chou. J'ai des tapis pour le devant et pour l'arrière, donc il y a 4 tapis. Et là, autant vous dire que ma voiture, elle se transforme en voiture de Barbie instantanément, mais c'est pas pour m'en déplaire, parce que voilà, au moins, je la reconnais bien quand je suis dans le parking et que je cherche ma voiture, je vois l'intérieur rose, je sais que c'est la mienne. Donc c'était pour mes cadeaux de Noël, j'ai été, comme vous voyez, pourri gâtée, vraiment, c'est juste indécent, mais je suis très très contente et je remercie évidemment tous mes proches pour les cadeaux qu'ils m'ont fait. Et j'espère que les cadeaux que je leur ai faits leur ont plu également. Et j'espère que vous aussi vous avez été gâtés et surtout que vous avez passé de très belles et heureuses fêtes en famille. À l'heure où je poste cette vidéo, normalement les fêtes seront passées, mais j'espère que vous aurez passé aussi un bon nouvel an. Je vous souhaite vraiment mes meilleurs voeux à toutes et tous qui regardaient mes vidéos et qui me suivaient tout au long de l'année. En fait, ça me touche vraiment énormément, vous le savez je pense. Je tenais aussi à vous remercier dans cette vidéo et à vous souhaiter, voilà, tout simplement mes meilleurs voeux, tout ce qui vous rend heureux, tout ce dont vous pouvez rêver, tout ce dont vous avez envie pour cette nouvelle année et les années suivantes clairement, et surtout et toujours une excellente santé, puisque c'est quand même primordial et essentiel. Et si vous êtes en bonne santé, que tous vos proches sont en bonne santé, il n'y a pas vraiment mieux à espérer, voilà. Je vous souhaite beaucoup de réussite, je vous souhaite beaucoup d'amour aussi, et soyez toujours bienveillants les uns envers les autres, c'est juste très 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 important. Sur ce, je vous laisse, je vous fais d'énormes énormes bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ainsi que vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude. J'espère qu'on va passer une belle année encore cette année, et je vous remercie d'être encore plus nombreux à me suivre tous les jours et à me soutenir. Merci, salut.